Bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo, qu'est-ce que ça se vend rire. Aujourd'hui, nous allons découvrir une horloge spécifique, heure, minute, seconde, donc là, c'est des HMS. Oui, on dit plus BT, machin truc, hein. Là, c'est HMT, HMS, et tout le bourzé. Donc, du coup, aujourd'hui, nous allons découvrir des horloges spécifiques. Bon, une, hein, bon, s'il y en a une autre un petit peu plus grosse, et l'autre, c'est mort, hein, 65 kilos. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est un petit peu, ce truc-là? Alors déjà, c'est une horloge à segment. Une horloge à segment, donc c'est des dots magnétiques, hein. Et en fait, le truc, c'est que c'est des horloges qui sont super bien, qui durent dans le temps, et le seul truc, c'est que ça fait du bruit, hein. Voilà. Et je vous garantis, quand on voit cet engin-là, c'est lourd, par contre. Déjà, la petite taille, c'est lourd, imaginez la grosse taille. Bon, je vais pas vous l'allumer, j'ai fait en sorte d'avoir le minuit pile dessus, comme ça, voilà, ça me permet d'avoir... Dès que je l'allume, il se met à minuit. Comme ça, c'est fait. Et non, du coup, en gros, voilà, donc c'est une horloge que j'ai connue quand j'étais gamin, il y a plus de 20 ans, facilement, 25-26 ans même. Et donc, du coup, ce qui fait, c'est que j'ai toujours connu des horloges comme ça, c'est clac, 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 hop. Et donc, toutes les secondes, ça claque. Au bout d'un certain temps, bon, on a l'habitude. Et bon, quand on est vissé sur le mur de la chambre, c'est selon la fin. Oui, on a mis ça, une horloge dans la chambre, comme ça. Alors, je vais vous montrer l'horloge et je vous montrerai après le dot. Parce que j'ai un dot supplémentaire. Par contre, là, je suis obligé de la baisser parce que le truc, il est très lourd. Voilà. Je vais ragrandir tout. Voilà. Voilà un petit peu le bosé. Alors, bien contre, j'ai le cob qui fait chier. Voilà. Alors, voilà. Donc, heure, minute, seconde. Alors, ça, c'est super bien. C'est une sacrée horloge. Alors, il y en a certains. Là, par exemple, c'est un tube de 30 watts. Un tube de 30 watts. Oui, je crois que c'est ça. Tube de 30 watts là-dedans. Et bien sûr, c'est très lourd. Donc, du coup, on peut voir que HMS dessus, c'est heure, minute, seconde, point barre. On a d'autres versions. Bon, bah celle-là, on a un petit peu plus court, donc avec 100 les secondes. Donc c'est des tout petits dots. Donc là, c'est du 715, et là, c'est du 710. Et je vous montrerai après le truc au détail. Mais franchement, c'est super. C'est une sacrée horloge. Donc ça se met à l'extérieur, pas à l'intérieur. Mais bon, on peut en trouver quand même à l'intérieur. Mais voilà. Donc du coup, ce qui fait, c'est que c'est des horloges spécifiques des années 80. Fut un temps dans les années 80, il y avait une dinguerie par rapport à ça. C'était justement les lubies de faire des trucs magnétiques. Alors il y a eu ça, il y a eu beaucoup d'horloges ou même beaucoup d'affichages à dots magnétiques. Donc du coup, ça fait le tarif. Et ça s'est très bien vendu parce qu'une bonne quantité de gares SNCF, d'aéroports et compagnie en ont eu dans leur truc, ainsi que d'autres applications. Mais ça s'est très bien vendu. Ça a duré dans le temps et des années et des années. Sauf que bien sûr, il faut un entretien régulier, hein, parce que sinon les trucs sont morts. Beaucoup cher, on trouve sur le, ça coûte ultra cher. Et d'un autre côté, il y a beaucoup de problèmes sur ces trucs-là. C'est les dots en question, je vais vous montrer après. Les dots, des fois, sont bloqués où l'afficheur complet, donc le segment, est complètement mort. Alors ça, c'est chiant. C'est quand c'est pas entretenu comme il faut, c'est ultra chiant. Alors du coup, en gros, dessus, il y a une batterie auxiliaire. Hein. En gros, c'est pour dire que quand il fait nuit, bah, en fait, les ondes s'éteignent. Bon, là, c'est un peu plus technique. Mais de base, c'est la présentation de l'horloge. Alors déjà, c'est la petite taille. Il y a la 715. Après, il y a la 725, pour celles qu'on va voir dans la prochaine vidéo, et la 745. Donc là, c'est petit dit, vous imaginez la grosse taille, c'est un buffet le machin. On peut faire une table avec. Et donc, du coup, celle-là, elle est supra bien. Pourquoi? Parce que quand la nuit, le tube s'allume, on le voit, le tube fluo est en dessous, le tube il s'allume, ça fait magnifique, c'est joli comme tout. Le mec qui nous l'a vendu, il le repinche un carrossier. Il leur passe chez un carrossier, ça rend vraiment, mais vraiment bien. Le mec, il a passé un bon bout de temps à peindre l'entièreté. Donc, il l'a passé dans une cabine à peinture de carrossier de voiture, quoi. Et ça rend vraiment, mais vraiment bien. C'est vraiment beau. Donc, du coup, ça fait un style vraiment bien brillant, comme il faut. Et franchement, elle fonctionne très très bien. À part, je crois, celle-là ou l'autre.
il y a un dot, voilà, on le voit pas là, c'est le machin, mais celle-là, le chiffre 2 qui commence un peu à merder, donc du coup, il y a simplement un dot du chiffre 2 qui casse les couilles. Mais sinon, dans l'ensemble, voilà, c'est toujours comme ça, une maladie, c'est les dots qui commencent à fatiguer. Donc voilà un petit peu, donc la HMS 715. Alors vous allez me dire, comment que ça se produit ce truc-là? Alors du coup, j'ai ramené le petit 715. Bon, je vais pas vous sortir toutes les tailles, ça sert à rien. Bon, je vais garder ça sur mon machin, ça sert à rien de me déplacer. Voilà. Voilà. Voilà, donc un petit peu l'objet lui. Bon, je regarde si c'est bien dans l'ordre, c'est comme ça. Voilà, donc voilà le petit afficheur segment. Donc là, c'est très simple, très cher, à peu près 160 euros le bordel, ça coûte une blinde. Mais vous allez me dire comment que ça fonctionne. En fait, sur les côtés, on les voit peut-être pas, si on les voit. En fait, c'est des petits dots qui sont simplement en fait pivotés dedans. C'est tout simple. C'est très simple en fait. Donc là, celui-là, c'est très simple. Donc celui-là, je crois, celui-là a été déjà utilisé. Alors, on en a des neufs. Ça a coûté très cher. Mais, voilà. Et voilà. Tout simplement, c'est ultra simple. Bon, par contre, ça tient. Là, ouais. Et donc, du coup, c'est des petits dots. Voilà, comme ça. Donc, après, on a le gros panneau, c'est du 60, du 45. Là, vous imaginez, c'est 15 cm de là. Alors, 15 cm. Voilà un petit peu le truc. Et en fait, le truc, c'est que ça se trouve plus depuis des années. Et cette horloge-là, de base, fonctionne. Elle a été vendue jusqu'en début 2004. Hein, début 2004. Et en 2005, le site, l'ancien site, n'existait plus. Et après, ça passait directement en LED. En 2006. Donc, du coup, ça a été jusqu'en 2004, ces lanternes. Ces horloges-là. Et donc, du coup, c'est très intéressant de voir la technologie électromagnétique. Donc, du coup, je demanderai à Yulur Metallic, pourquoi pas, faire un petit schéma théorique sur le, pas l'induction, je dirais l'électromagnétisme, pour faire fonctionner ces petits trucs-là. Bon, c'est comme des systèmes d'impulsion, hein, simplement pour, là, on fait ça, voilà, c'est pouf, non, du coup, là, comme ça. Donc, ouais, c'est très simple, en fait. Alors, il y a aussi des versions à dot aussi, pour les deux points. J'ai jamais trouvé ça, à l'occasion. Mais ce qu'il fait, c'est que celle-là, bon, ça, s'il y a un module qui peut se mettre dans celle-là, déjà, on, le 715, et j'en ai un plus gros, en fait, pour le 725, qui est là, à côté. Mais bon, ce que je veux dire, c'est quoi, là, c'est des horloges que j'ai connues quand j'étais gamin, et je suis bien content, donc on en a deux, une chacun. Donc ça, c'est une HMS, je crois, c'est une des premières générations des années 80, et celle que j'ai, c'est une des années 90, donc du coup, il y a deux générations différentes. Mais je suis bien content en fait de connaître cette chose là parce que c'est pas souvent, puis quand même maintenant tout se désinstalle comme beaucoup d'horloges, hein. Et donc du coup là tout passe à la LED et tout ça, et je suis bien content d'avoir cette broserie, hein. Mais bon, c'est quand même très lourd, hein. On se l'avoue, c'est très très lourd. Je vous garantis, la deuxième, je vais galérer mes grands morts pour vous la montrer parce que ça tiendra pas dans le truc. C'est ça le problème. Donc du coup, je vous garantis, ça va être une dinguerie. Je vais garder en sorte d'avoir le truc entièrement. Je serai obligé de vider une bonne partie du coin. L'imprimante va dégager. Et donc du coup, ce qui c'est voilà, donc un petit peu le truc. Voilà. Donc ça s'appelle une HMS 715. Vous pourrez rechercher sur internet la Baudet HMS 715. Vous trouverez simplement la version LED en fait. Il n'y a plus vraiment la version comme ça. Pas aucune, mais vraiment aucune doc là-dessus. C'est bien dommage. Aucune doc sur ce truc-là. Donc j'en ai fait une personnelle, à dire vite fait, avec comment que ça fonctionne, les secondes, les heures, les minutes. C'est chiant. Hein. Donc voilà un petit peu le truc. Donc j'espère que la petite vidéo vous a plu. Quand même 10 minutes pour sauter Bozric. Et on se retient encore pour une nouvelle vidéo. Et comme de bien entendu, bah, vous imaginez toutes les secondes. Clac, 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 clac.
Oh la vache, le bruit. Comme ça, des jours, des heures. Oh, de qualité, hein. Ah, c'est pas faux.